Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième multi-ouverture de la chaîne. On va se faire 12 séries, mais d'abord on va revenir un peu sur le On vous fait plaisir donc de samedi. Donc en fait, après avoir lu quelques commentaires, et c'est vrai que ouais, ce serait mieux de changer un peu les règles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est pas le premier ou la première qui mettra la réponse en com, mais je pense qu'on prendra trois bonnes réponses, les trois premières bonnes réponses. Et on fera un tirage au sort la semaine suivante, histoire d'avoir le vainqueur donc d'un booster ou d'une carte. Par contre, pour le premier, on vous fait plaisir, vous gagnerez donc un booster offensive vapeur sous blister. Ce sera pas forcément Yveltal Turbo, hein, ce sera peut-être une autre illustration. Mais bref, ce sera un booster sous blister. Donc voilà, donc ça c'est fait. Autre chose, si jamais vous avez une préférence en fait sur la... Sur la date de... Enfin, pas sur la date, mais sur l'heure de sortie, de mise en ligne de la vidéo. N'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Comme ça, au moins, on pourrait peut-être s'arranger au maximum parce qu'on vous écoute vraiment absolument tous. On vous écoute et voilà, ça nous fait super plaisir d'avoir des conseils, d'avoir des remerciements, d'avoir des super jolis coms et on vous adore. Franchement, on vous adore. Donc voilà, donc c'était le petit aparté, donc on va y aller. Donc avant de commencer, je vais juste présenter en fait ce qu'on va ouvrir. Donc on aura un diamant et perle. Tempête, bon j'ai pris celui-là, il est totalement éclaté, donc on va pas garder le booster, on va juste... On va l'arracher. On aura du Vigueur Spectrale. On aura de l'Évolution. On va se faire du Noble Victoire. Ici, du Ciel Rugissant, de l'XY de base, de l'Appel des Légendes, du Destiné Futur, de l'Impulsion, de l'Explosion, de l'Impact des Destins et de l'Offensive Vapeur. Ouais, c'est ça. Pareil, par contre, si pour la prochaine multi-ouverture, ça vous intéresserait de refaire l'histoire de XY, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je m'en chargerai, donc on fera le XY de base jusqu'à XY12 évolution, oui, voilà, ici. Donc voilà. Donc nous, on va commencer avec les boosters sous blister, parce que c'est toujours un vrai bordel. Non, pas vigueur spectrale, on va commencer par évolution. Alors je vais juste voir si j'arrive à faire ça, parce que j'ai oublié les ciseaux, ou s'il faudra que je fasse une petite... Ellipse, histoire de les chercher, ces ciseaux, justement. Je pense que... Ah non, c'est bon, ça passe, nickel. Voilà, hop, et on est parti. Donc, bon, on va aussi enlever tout de suite le blister sur le Vigueur Spectral. Alors, attendez, ça va le faire. Tac, oui, parce que j'aime bien, en fait, les ouvrir en vidéo. C'est des trucs qui me font kiffer. Bon, on a préparé les petites protections au cas où, donc on verra bien. Donc tac, donc on va commencer, on va quand même commencer avec le diamant et perle. Non, on va commencer avec évolution. Allez, c'est parti, on perd pas trop de temps parce qu'il y en a plusieurs à ouvrir quand même. Mais c'est incroyable de jamais réussir à les ouvrir. Ah là là, donc ça, je mets tout de suite ici, on n'en aura pas besoin. Le petit code, il est pour vous. Tac, je suis désolé si jamais il y a trop de lumière ou pas assez parce que j'ai un retour. Ah bah ça commence bien. Attendez, je décale juste un peu le retour caméra, sinon je verrai rien. Tac, une noix de coco secrète. Alors attendez, il me faut que j'ouvre ce petit sachet de protection. À une main, c'est pas évident. Tac. Hop. On la met sous protection et on la laisse. On va la laisser là. Voilà. Donc détermination d'Ondine, rappel. Topiqueur, Titar, Sabelette, Voltorb, Magnéti, une énergie fée reverse qui est super, super belle. On va la mettre sous protection celle-là parce que oui, j'ai envie. Et on terminera avec... Bah écoutez, ça commence très bien. Avec un méga Tortank EX. Alors attendez, faut pas que je fasse le con. Tac. Et un super beau méga Tortank EX. Ils nous aiment bien quand même ces boosters évolution, franchement ils nous aiment bien. Ça, en attendant, elle a quand même sa petite protection en faisant très attention. Tac, nickel, ok, on la met de côté. Non, on va la mettre avec la noix de coco. Bah écoutez, ça commence très bien. Sincèrement, un booster, une secrète, une ultra, nickel. Allez, on continue donc avec Vigueur Spectrale ce coup-ci.
Tac, on peut jeter tout de suite le booster, on n'en a pas besoin. Le petit code, il est pour vous. On fait du 3, oui, voilà, c'est ça. Allez, 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 une dialgade de nouveau, là. Une dialga métal, ce serait énorme quand même. Donc, Crocodile, lien spirituel et l'exprint, je vais mettre comme ça peut-être. Colimucus, Carabing, Nodulite, Sapero, Hermure, Mamambo, Moyade en rare reverse. Ah bah ça commence vraiment très très bien cette ouverture. Et on termine avec un Nexcavaren en rare. Bon, on peut pas gagner à tous les coups non plus. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Tiens, j'ai envie de faire ce diamant perle. Non, allez, on va faire du ciel rugissant. Donc j'en ai pris quelques-uns, c'est juste histoire de... Ah ouais, bon. Bah on va se faire... Tiens, on va se faire lui, là. Voilà. Ça, en même temps, je peux les mettre de côté. On gagnera un peu de place. Alors attendez... Tac, ils sont là. Hop, et c'est parti donc avec le petit petit. Non, il n'est pas super petit le Rayquaza, mais quand même. Tac, on ouvre ça. Le booster, on le jette. J'aurais peut-être dû mettre la poubelle de l'autre côté, moi. Le petit code est pour vous. On se refait du 3 et on est reparti. Alors, Hyperball, Béquipan, Échange, Pikachu, Poichijon, Drabi, Nirondelle, Chenipot, Pierre en reverse, et on termine avec un petit Togekiss. Ok, allez, on enchaîne. Bon, allez, offensive vapeur. Voilà, tac, comme ça, c'est fait. D'ailleurs, le petit Pikachu, il est content, donc il va passer, il va changer de couleur. Tac, 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 alors, il va devenir rose. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir ouvrir ici? Bon, allez, garde-voir. Allez, on se fait un garde-voir. Ça, j'enlève. Je vais arrêter de les enlever parce qu'en plus, je sais... Ah, ils sont là. Je vais arrêter de les enlever parce qu'on perd plus de temps qu'autre chose, en vrai. Donc, tac, on est parti. Il s'ouvre super mal. C'est pas grave. Hop. Oh, bah, ça m'arrange. Moi, j'avais l'autre main. Le petit code, il est pour vous. Tac, et on est reparti. Lien spirituel, garde-voir, boule de nœud, brésilion, Yanma, Wistikram, Grelasson, Flingouste, Grenipio, j'arrive pas à l'enlever, Watt en reverse, et on termine avec un Nemelios. Ok, on enchaîne avec Impact des Destins, tiens, hop. On va surtout ouvrir... bah là, j'hésite entre mon Alakazam et mon Lugia, mais on va ouvrir un Lugia, voilà. Donc on va pas les ranger parce que sinon on perd du temps. Tac, on ouvre tout de suite. Tac, si on pouvait avoir encore un petit quelque chose, ce serait bien. Paf, le petit code. On fait du 3. Et on y va. Fossile, Nautil, Ammonita, lien spirituel, non mais oui. Fan Club Pokémon, Doudouvet, Smogo, Spoink, Chinchidou, Topicker, Chenizel en reverse. Et on termine avec un Archéodong. Bon, j'ai peut-être pas choisi les meilleurs boosters, moi. Donc, Impact des Destins, c'est fait. Ensuite, qu'il soit battu. Allez, on va faire XY de base. Attends, je suis en train de tout faire tomber, moi. Ouais, et puis, ils sont collants, ceux-là, là. De tripac aussi, donc bon, voilà. Donc XY de base, c'est pas compliqué. On va ouvrir le Tortank, tiens, parce que j'ai envie d'ouvrir le Tortank. Donc tac, on va mettre ça là et on est parti. Tac, 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 les cartes se bloquent, j'ai pas envie de les abîmer, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Le petit code, il est pour vous. Tac, les trois qui sont là, on les met là, on regarde pas plus loin. Et c'est parti, Gris-Gris, Protecteur, Électrode, Olivier, Passe Rouge, Abo, Flotte à Joue, Rhinocorne, Fennec, Bandeau Muscle en reverse, et on termine avec... Ah bah voilà, on terminera avec quelque chose. Avec un Niveltal EX, que nous n'avions... Alors attendez, il faut pas que je dise de bêtises, il me semble que nous ne l'avions pas. Donc vu qu'on ne l'a pas, le Ultra Pro, il passe derrière, histoire qu'on ne le voie pas. Et on range la petite carte. Nickel. Alors, tac, ça va aller là pour le moment. Donc, bah allez, on va se faire un appel des légendes, on va les prendre dans l'ordre. Là, c'est pas compliqué, voilà, moi je vais Lugia, et c'est tout. Et c'est tout. Tac, allez, on va ouvrir ce booster. Tac, tac, tac. Tac, bon là par contre, désolé, il n'y a pas de code. Tac, et on est parti. 1, 2, 3, on fait pas 1, 1, parce que si jamais il y a une belle carte, j'ai pas envie de l'abîmer. Allez, donc, non, attendez, je vais faire ça comme ça. Ça, on va
Hop, voilà. Énergie, un métal, Pyroli. En plus, ces illustrations, qu'est-ce qu'elles étaient belles. Questionnaire d'interview, enfin, elles le sont toujours. Hein. Watt, Teddy Ursa, il y a tout qui tombe. Ramolos, Germignon, Roucoule, encouragement hystérique en reverse. Et on termine avec un. Ah, bah super, un petit Fortress holographique. Nickel. Ah, bah c'est parfait. Elle est vraiment super jolie. L'holographisme est vraiment beau. Donc, tac. Ouais, Ultra Pro derrière parce que je crois qu'on l'avait pas. Ou alors, non, attendez, peut-être qu'on l'a en fait. Peut-être qu'on l'a, peut-être qu'on l'a, peut-être qu'on l'a. Bon, enfin bref, on verra bien. Tac, on met ça là. Donc, on enchaîne avec Destinée Future ce coup-ci. Donc là, c'est Mewtwo. Voilà, je veux personne d'autre que Mewtwo parce que Mewtwo, je l'adore. Donc, Reshiram et compagnie, non. Donc voilà, bah Mewtwo, Destinée Future, c'est parti, il ne nous reste pas grand-chose à ouvrir, donc ça c'est... Voilà, on aura avancé assez vite, je pense, j'espère. Donc le petit code toujours pour vous. Tac, on fait du 3. Ah, elle est... Ouais, elle m'a l'air un peu abîmée là, non? Ouais, bon, on va dire que ça passe, mais bon, là ça me ferait chier que ce soit une ultra. Allez, c'est parti, Hippodocus, Emolga, Locklass, j'aurais dû regarder les cartes moi plutôt que... Ouais. Donc Archéomyr, Kaminos, Tarsale, Flamajou. Ah, elle est trop belle celle-là par contre. Ouais, elle est trop mignonne. Sort bébé, Chaofouine en reverse. Et on termine avec un Elector holographique. Nickel. Bon, on l'avait mais on prend. La carte est super jolie. Elle est vraiment super jolie. L'holographisme avec leurs traits là de l'époque, j'aimais bien aussi. Ouais, ça, j'aimais vraiment bien. Bon, on va la mettre là, vu que ça reste quand même... ça reste une holo. Donc, on enchaîne avec un Impulsion. Alors là, par contre, quel Mewtwo? Et non, bah non, pourquoi je dis quel Mewtwo? Ce sera lui. Un point, c'est tout. Tac. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Alors, attendez. Voilà. Oh, il nous reste pas grand-chose à ouvrir, hein. Encore Noble Victoire, on n'a pas fait, je crois. Donc, encore 3. Encore 3 séries. Donc, ouais, ça ira assez vite, ça ira assez vite. Allez, donc, Deden, Staros, Carolina, pardon, Coupe-Note, Flabébé, Tilton, Feu Chaud-Rêve, Cabriolène, Pikachu en reverse, et on termine avec un petit Kelorior. Ok, on enchaîne. Tiens, on va se faire du Noble Victoire. Il me semble pas que je l'ai fait, hein. Non, 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 je l'ai pas fait. Ouais, et puis ils sont collants, quoi. Kyurem, Victini... Oh, j'aurais peut-être dû en prendre d'autres, moi. On va se faire un QRM, j'aime bien QRM. Je trouve classe sur le booster. Je trouve vraiment classe. Donc ça, on va mettre là, donc c'est terminé. Ah ouais, je trouve vraiment classe, moi, perso. Donc allez, c'est parti. Ah, c'est parti quand on arrivera à les ouvrir, surtout, oui. Ah bah dis donc. Ah, je suis désolé, hein, voilà, pourtant j'y mets de la bonne volonté. Hein. Tac. Attendez. Galère! Waouh! C'était galère! Tac, le petit code, il est pour vous. 1, 2, 3, et on y va! Alors, mon dieu, mais mon dieu, quoi! Alors, Miasmax, Arkeapty, Flamoutant, elle est vraiment jolie cette carte aussi. J'adore les couleurs. Nucleos, Larveillette, Gringolem, pardon, je le mets comme ça. Viscuse, Escargome, Scalpion. Elle est jolie celle-là aussi. Hein. Elle est vraiment jolie. Tac, Victini. Bah alors attendez, zut. Ah oui, j'ai pas vu qu'elle était reverse. Ah, ah oui, je l'avais pas vue. Et donc, une Victini bah, holographique. Hein, si je... Bah oui, elle est holo. Ah oui, une Victini holographique. Nickel, bah, qu'on n'avait pas de toute façon. Donc, c'est très bien. Donc, on va faire ça comme ceci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste Impulsion, on a fait. Donc, il nous reste un Explosion et un Diamant et Perle. Bon, on va terminer par le Diamant Perle. Donc, allez, Explosion. Bon, allez, on va pas chercher plus loin. Tac. Allez, c'est parti. Ce ne sera pas aussi fameux que la précédente multi-ouverture. Mais bon, ça reste pas mal hein, quand même. Hein. On aura quand même eu des ultras. On en a eu deux, je crois. Tac. Attendez, tac. Je crois que je me suis spoilé, mais bon. Donc du coup, je pense qu'il n'y a rien. Donc déclencheur inversé, je vais les mettre là. Fossile racine, Lilia, Iris, Kangourex, Judocrac, Muna, Escargome, Blizzy,
Lilia en reverse, j'allais dire en rare reverse, mais pas du tout. Et on termine avec un. Ah, elle est trop belle. Je suis désolé, mais j'adore Suicune. C'est un Pokémon que j'adore. Et cette carte est vraiment belle. J'aurais préféré en holo, mais. Ouais, mais elle est vraiment jolie. Vraiment, vraiment jolie. Du coup, allez, on va terminer. Par contre, je regarde juste les codes hein, pour savoir si j'ai bien tout fait. Donc, du coup, de l'explosion, c'est bon. Ça, c'était le Noble Victoire. Ça, c'était le Destiné Futur. Le XY de base. Et alors, ici, donc évolution, d'accord. Vigueur, ciel rugissant, offensive, impact et impulsion. D'accord. Donc, il nous reste le petit diamant et perle tempête. Bon. Eh ben, écoutez. Donc celui-là, on va totalement le détruire parce qu'il colle de partout. Il est vraiment pas en bon état ce booster. Donc c'est un peu, c'est voilà, c'est pas génial. Et là, on va pouvoir profiter des illustrations ouais, parce qu'une série de 2009, ça reste toujours super classe. Donc 1, 2, 3. Si je dis pas de bêtises, oui, ça reste du 3 normalement. Allez, c'est parti. Un sécateur. Qu'est-ce qu'elle est jolie, mais regardez-moi ça. Ah, elle est trop trop belle celle-là. Je vais les mettre ici. Chaîne d'énergie, électrode, machoque, apitrini entre les sapins. Elle est super jolie. Tac, Marcacrin. Bon, alors ça par contre, hein. Archéomyr, Quenotor, un Junko en rare reverse. Ah bah écoutez, c'est parfait. Un Junko en rare reverse. Je la mets sous protection, mais on va pas la compter. On va pas la compter. Et on termine avec. Non! 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 Oula, alors, attendez, 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 attendez. On va en fait mettre celle-là d'abord sous protection. On ne l'avait pas de toute façon, donc c'est parfait. Alors là, écoutez, je vais super doucement. Ah là, c'est nickel. Non! Ah, mais c'est parfait! Bon, c'est pas la carte que j'aurais le plus voulu dans cette série. Mais sincèrement. Ah, c'est top! Ah, c'est topissime! Mais là, voilà, c'est du sorti de booster. C'est vraiment sorti de booster. Donc, il n'y a pas plus neuf que ça. Point. Voilà, c'est parfait. C'est ça qu'on aime, en fait. C'est avoir les cartes vraiment. Ah, je suis super content. Ah là, sincèrement, c'était pas la plus folle des multi-ouvertures. C'était vraiment pas la plus folle des multi-ouvertures. Mais alors, quand on voit quand même certaines cartes qu'on a piochées, écoutez, il y a pas grand-chose à dire parce qu'on a ouvert 12 boosters. On a quand même eu quelques ultras, enfin 3, je crois, 3 ultras. C'est vraiment top, quoi. Bon, du coup, on va vite partir sur le récap. Faut que je fasse attention à ces cartes-là parce que, hop, c'est une série qu'on n'a pas trop trop fait. De toute façon, pour le moment. Donc, ce qu'on va faire. On va faire ça comme ceci. Alors attendez, on va faire ça comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc le petit récap, la noix de coco direct dans le premier booster. Donc on avait quand même commencé très fort, ça c'est top. La petite Victini holographique. Voilà, topissime de Noble Victoire donc. La Elector, je ne sais même plus de quelle. Ah zut, c'est quelle série, c'est Destiné Futur. Hein. 90. Ouais, c'est Destiné Futur. La petite forteresse holographique d'Appel des Légendes. Tac. Ensuite, la Yvelta le X de la série XY. Donc ça, c'est quand même super. La Méga Tortank, donc dans le même booster que la secrète. C'est la deuxième fois quand même que ça nous arrive, ça. Et on termine avec celle-ci. La petite Régigigas. Il y a tellement de façons de le dire, de toute façon. Donc voilà, donc avec la petite Régigigas niveau X. Totalement neuve et en plus elle est bien cadrée. Donc ça c'est top. Bon alors elle partira pas chez PCA parce qu'on ne l'a pas, donc on la mettra dans la collection de toute façon. Mais écoutez, voilà, franchement c'est parfait. Ah je suis non franchement je suis super content. Ah ouais bah écoutez c'est nickel. Bah c'est une pioche pas trop mal hein, quand même quand on regarde sur 12 boosters. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 holos, une secrète et 3 ultras. Non franchement c'est vraiment bon. Franchement, c'est vraiment bon. On continue quand même un peu sur la chance. Donc ça, c'est parfait. Moi, j'adore. Et je vous adore pour ça. Vous nous portez chance. C'est quand même un truc incroyable. Et puis voilà. Bah, j'ai plus rien à dire. Bah écoutez, moi, je suis super content d'avoir eu ces cartes. Surtout celle-ci, en fait.
Parce que voilà, mais même si bon les niveaux X c'est pas super apprécié. Voilà, moi je suis super content. En plus, elle est vraiment jolie. Donc voilà, moi je. Écoutez, voilà. C'est nickel, franchement, c'est nickel. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si le concept des multi-ouvertures, bah, ça vous va toujours, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre multi-ouverture. Là, par contre, c'est à vous de me dire, est-ce que vous voulez qu'on se refasse l'intégralité de XY? Donc du 1 au 12, ou est-ce qu'on reprend des séries un peu au pif, un peu partout. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu, je vais en mettre un ici, un gros là, à commenter, à partager, donc à liker, c'est la même chose, hein, bien entendu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à demain dans une vidéo, je ne sais pas encore du tout ce que ce sera peut-être de l'ouverture basique. Et sinon à samedi pour le On vous fait plaisir. J'espère qu'on vous fera plaisir. Donc voilà, bah écoutez, bah moi je vais vous laisser, je vous dis passez, portez-vous bien, profitez à fond de votre passion, et criez-le au monde entier, hein, si vous le voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous on vous adore, on vous adore, on vous adore. Et puis voilà, bah écoutez, bah j'ai tout dit. Donc moi je vous dis à la prochaine, donc dès demain. Et puis portez-vous bien. Allez, salut à tous.